Addressing that problem. One of the requests of the population is the vote of the diaspora in election. And nobody is talking about that abroad. Now, the chaos is going on. Uh, it has been there for uh, at least two months now. And the report said that at least 10 people have been killed by our own army. Notre objectif est de porter l'information à la Maison Blanche dans tous ses détails. Nous avons rencontré le Révérend Jesse Jackson, qui n'est plus à présenter. Nous avons rencontré le Docteur Julius Garvey, le fils du célèbre Marcus Garvey, l'un des pères du mouvement panafricain. Nous avons rencontré l'ambassadrice de l'UA, l'Union africaine, ici aux États-Unis, Son Excellence Dr Arikana Chiombori. Nous avons rencontré M. Melfoot, président de Constituency for Africa. Je m'arrête ici pour raconter une petite anecdote. Un autre haut responsable de cette illustre de cette illustre institution m'a dit qu'il était un ami personnel de Monsieur Pascal Boujonin, l'ancien ambassadeur du Togo aux États-Unis sous et Il m'a demandé de ses nouvelles. Je lui ai dit que son ami n'a pas échappé au règlement des comptes et à l'humiliation, comme le régime. Au togo sait si bien le faire à ceux qui l'ont servi avec zèle cette personnalité était presque tombée évanouie quand il a repris ses esprits il me dit mais votre pays ressemble à la corée du nord je lui ai répondu que mon pays est pire que la corée du nord tout simplement parce que la corée du nord n'a jamais déclaré qu'elle est un pays libre et démocratique. Mais au Togo, le régime dit à qui veut l'entendre qu'il dirige un État de droit. C'est là l'abomination et le drame. Enfin, le monsieur ajouta très ému, que pouvons-nous faire ici pour vous délivrer de ce régime totalitaire vous imaginez, chers compatriotes, que je ne vous livrerai pas la réponse que je lui ai donnée dans ce discours. Pour continuer. Et je vais finir bientôt. Nous avons une série de rendez-vous qui nous conduiront auprès des plus hautes autorités américaines et du Canada. En principe, certaines de nos démarches auraient pu se faire dans la discrétion. Cependant, il est important d'en dévoiler le processus et dire à qui veut l'entendre qu'il y a une campagne de plaidoyer et de propagande en cours pour dire au peuple en lutte que la coupure de l'Internet et des médias pour isoler le Togo du monde n'aboutira à rien. Internet ou pas Internet, le monde entier et l'opinion publique internationale sont et resteront informés. Nous y veillerons et ce sera là une partie de notre petite contribution à la lutte du vaillant peuple de notre cher pays, le Togo, debout pour sa liberté totale. Les millions de dollars que verse Monsieur Niasimbe aux spécialistes de la communication, les lobbyistes, comme on les appelle chez nous aux États-Unis, sont de l'argent gaspillé. Les mensonges qu'ils sont chichement payés pour aller raconter à l'extérieur, pour soigner l'image de M. Fort et de son régime tyrannique et sanguinaire, image à jamais ternie par le sang innocent du peuple togolais, ces mensonges seront défaits un à un. En tout cas, ici chez nous aux États-Unis et au Canada. Et je fais confiance à nos compatriotes mobilisés en Europe et dans les autres pays d'Afrique et partout dans le monde pour continuer ce qu'ils ont déjà ce qu'ils font déjà dans ce cadre. La propagande la sensibilisation de l'opinion publique internationale et la campagne médiatique. Nous préparons un premier rapport sur les tueries, les atrocités sur nos populations au menu, les coupures de pieds et des mains des jeunes manifestants à la machette par nos soldats les pillages des maisons, les viols des femmes, les exécutions sommaires des enfants et des jeunes et les arrestations arbitraires. Tout est documenté. Ce rapport sera déposé au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à New York et à Genève dans les jours qui viennent. Notre objectif est de demander et obtenir comme en 2005 l'envoi au Togo d'une mission d'enquête des Nations Unies pour constater les faits criminels du régime de M. Fort Nous savons le faire et rien ne nous arrêtera. Peuple togolais résolument en marche vers la liberté, je veux humblement vous dire, notre combat est un combat non violent. La non-violence, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un combat des hommes faibles. Jésus-Christ, le Mahatma Gandhi en Inde, Martin Luther King Jr. aux États-Unis, Desmond Tutu et Steve Biko en Afrique du Sud, ont été et demeurent des exemples de dirigeants non-violents les plus courageux que le monde ait connus. Mais ils ont gagné les plus grandes victoires de l'histoire des hommes, comme nous aurons notre victoire au Togo, sans prendre les armes que les Français ont fabriquées et veulent nous filer pour nous entretuer entre nous Togolais. Ils l'ont fait au Congo-Brazzaville. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ne le feront pas chez nous au Togo. La barbarie du régime de M. Fort Nyasingbe et de son armée tribale qui tue notre peuple est un piège. Peuple togolais, la dynastie des Nyasingbe dont M. Fort est le dernier vestige est bien terminée. Nous n'avons pas besoin de guerre civile au Togo. C'est ce que la France et ses valets-serviteurs veulent nous pousser à faire. Je joins ma voix à tous ceux qui appellent à rester mobilisés, à maintenir la pression. Peuple togolais, le devoir nous appelle. Notre collectif lance un appel à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire. Une désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national, dans l'esprit et dans la lettre de l'article 150 de notre constitution de 1992. C'est cette constitution qui, pour nous, reste la seule constitution du peuple togolais. Nous n'avons pas besoin de réformes constitutionnelles au Togo. Notre constitution au Togo, c'est la constitution de 1992. J'en appelle à toutes les forces sociales du Togo, jeunes et vieux, hommes et femmes, honorables évêques, prêtres, mes chers confrères en Christ, pasteurs, imams, chefs traditionnels, officiers de l'armée du peuple togolais, militaires, policiers, gendarmes, douaniers, travailleurs togolais, camarades syndicalistes, revendeurs, revendeuses, vous qui avez... Encore une petite dose de dignité. Levez-vous, marchez avec le peuple et pour le peuple. Marchez avec le peuple pour la liberté sans condition. Développons ensemble un sens aigu de rébellion et de résistance pacifique, mais têtu et intraitable, face au régime séquentenaire des au service de la France, notre souffrance au Togo et en Afrique. La Bible a dit dans Galates, chapitre 5, au verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude et de l'esclavage. Un passage qui n'est pas souvent prêché aux fidèles dans nos églises et dans nos lieux de culte, mais que j'ai découvert avec Jésus-Christ. C'est lui aussi qui m'a dit que vous découvrirez, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous libérera. Peuple togolais, nous sommes libres. Peuple togolais, nous sommes libres et libérés à jamais. L'Éternel bénisse le Togo, votre humble serviteur, Adoté Akwe. Gandhi Je vous remercie